Mademoiselle Ursule Delpechet et Monsieur Albert du Petit Monde, accompagnés des demoiselles d'honneur, Mesdemoiselles Elisabeth et Marjorie Ferrage et Marie-Astrid Durlet, Monsieur et Madame Guillaume Dubois, Monsieur et Madame Valentin Courvoisier, Madame Marie-Antoinette Duvivier, Monsieur et Madame Léopold Grindorge, Mademoiselle Charlotte Gillard, Monsieur et Madame Édouard de Gauquier. Alors nos photographes, Monsieur et Madame Rodolphe Maturin. Alors, oui. Monsieur et Madame Sylvain Collinet. Amélie Gouverneur, je vais la voir présente également. Voilà, merci. Maintenant, place au bourgmestre. Au secrétaire, pardon. L'an 1930, du mois de mai à 18h30, par devant nous, Barnabé Urbain Guilin, officier de l'état civil de la commune de Marbé-Marbizou, arrondissement de Nivelles, province de Brabant, et en la maison commune, Montée-sur-Roux pour la circonstance, ont comparu en séance publique Monsieur Albert Anatole Théodule Zéphirin Guilin du Piémont, maréchal Ferrand, né à Marbé le 1er avril 1875, fils de Honoré Firmin Guilin et de Octavie Célestine Guilin d'une part, et Mademoiselle Ursule Mélanie Octan Guilin, telle pêcherait, couturière, née à Marbé le 30 février 1880, fille de Victor Joseph Guidon Cyril Guilin et de Albine Eulalie Victorine Guilin d'autre part, lesquelles nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont la publication a été faite à la principale porte de notre maison commune le dimanche des Ducasses du Giraud. La parole est au bourgmestre. Monsieur Albert Anatole Théodule Zéphirin Guilin du Timon, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Ursule Mélanie Hortense Guilaine Delpechret? Mademoiselle Ursule, Mélanie, Hortense, Guilaine, Delpêcheret, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Albert, Anatole, Théodule, Zéphirin, Guilin, du Timon? Au nom de la loi, je me déclare que Monsieur Albert, Anatole, Théodule, Zéphirin, Guilin, du Timon et Mademoiselle Ursule, la vie vitaline, Hortense, Guilaine, Delpêcheret, par les liens du mariage. Bravo! Et dépêche-toi, hein! Madame, Monsieur, j'ai le très grand plaisir de vous remettre un ordre de carnet de mariage. En faisant sérieux, vous allez constater qu'un grand nombre de pages sont prévues pour l'inscription de la naissance. Je demande au nom de l'administration communale de faire un très grand effort afin de remplir le plus souvent possible ces pages actuellement vierges. Comme vous travaillez en moyenne entre 10 et 15 heures par jour, vous avez largement le temps de procréer pour le plaisir et pour la sécurité de tous. En effet, nous avons besoin de soldats, beaucoup de soldats, pour défendre notre territoire, qui est un peu éclaté. Demain, dans 10 ans, en 1910 par exemple, bien en tout, nous avons 14. Alors, faites-vous le plaisir de faire des heures supplémentaires. Madame, soignez bien notre petit Albert, préparez-lui du bon bouillon, des pieds de porc, des bons oreilles, beaucoup de lard, des pitoulets, de la pub.
fâche. Vous devrez vous plaisir, finalement, on reviendra par le canal à terre. Au nom de l'administration communale, je vous félicite, ainsi que vous, chers parents, et à vous, invités. Je vous souhaite beaucoup d'amusement. J'espère vous retrouver tous les jours.